Pip. Normalement, il y aura des gardiens, je pense, qui vont être dans les parages. Il y en a un là qui est allumé deux. Oh putain. Il est allumé, mais il a pas l'air de marcher celui-là. C'était un peu obligé, hein. Trois rochers comme ça, on les connaît à force là. Quoi? Ah merde, il pleut, putain. C'est chiant cette pluie là, bordel de merde. Qu'est-ce qu'il y a là autour? Il y en a un qui marche là. Je pensais les récupérer des Ouais, c'est mieux. Ouais, mais je sais pas ce qui s'est passé là. Du coup, j'ai changé mon avant-média, je l'ai changé d'USB parce qu'apparemment ça avait l'air d'être venir de là. Mais ouais, j'ai pas trop compris. Il fait jour. Du coup, c'est où l'entrée de ce truc là? Sachant aussi que j'ai... c'est où? C'est là. Il me reste un souvenir qui, normalement, je pense, est vers le château là. Qui ressemble à pas grand chose en même temps. C'est peut-être vers ces tours là aussi, je sais pas. Bah tiens, il y a un coffre. Où j'ai joué Assassin's Creed, mais ça marche pas. Non, ta gueule, putain. Ça doit être un coup robot, ça, non, du coup. Serais-je fait voir? Non, je sais pas.
Ah, il y a celui-là qui vole aussi là. Je l'ai pas vu. Est-ce qu'il va me voir lui? Non, ça va, tranquille. Le pont est là-bas, donc je pense qu'il faut que j'aille là-bas. Hein? On peut marcher là-dedans avec le bouclier ou pas? Ah non, je marche pas. Oh putain, je suis blindé. Je suis blindé de photos. Merde, je sais plus dans quoi tu vas pour les virus. Ah si, c'est ça. Oh, bah, je l'avais déjà prise, ok. Espadon de chevalier, ça fait combien ça du coup? Est-ce que j'en ai. Oh, fou quoi de poisson. À mon avis, espadon, ça va être un peu lourd. Pas un passage là. Moi qui ai un œil, pas loin. C'est ouvert, non? Ah ouais, là. En fait, ça me permet juste d'aller au milieu. Non, je l'ai jamais fini, non. J'ai perdu vachement du temps à faire les quêtes annexes et tout, et... voilà, en fait, je commence à avoir un peu une overdose, donc je me suis dit... J'allais aller jusqu'à la fin, et puis j'allais le finir. Je me tâte j'aurais peut-être dû prendre reprendre quelques flèches avant de venir. Est-ce qu'on passe par la grande porte pour entrer? D'ailleurs le son il est pas mal là du jeu là ou quoi? Parce que je l'ai j'ai pas l'audio du PC donc je sais pas comment ça ressort. Il est peut-être un peu fort comme ça, je sais pas. À moins qu'il soit bon, je sais pas.
Oh mais il me vise de d'aussi loin cet enculé quand même. Oh. Ah du coup ça y est, on est dans le château là. On a la map et tout. Est-ce qu'il y aurait moyen de passer par la cascade? Sur lui là, j'arrive pas à bouger. Merde, j'ai plus d'armes. Super. Ah mais il est mort. J'ai pas compris ce que je vais faire en fait pour le tuer. Pas une cascade où on peut grimper malheureusement. Ouais, je me doute qu'il doit y avoir des trucs pas mal à récupérer là. Ah, d'accord. Ok. Si je En vrai, mais comment je me casse la tête pour rien? En vrai, on s'en fout. Bon. On touche même pas. Là, il peut me toucher, oui. Okay. Ah bah. T'as fait combien de sanctuaires? Putain, je sais même plus. Ah merde, c'est visible que pendant les chargements, je crois, les sanctuaires. On peut pas les voir comme ça. Ah si! Mais non! Merde, je peux pas. Bonne question.
Ah, il y a un sanctuaire dans le château. Ah, d'accord. Eh ben, 68, du coup. Il y a un coffre là au milieu. Ah oui, mais carrément, oh oui, je suis très loin. Je suis très très loin. Mais oui, mais pourquoi j'ai sauté à côté de ça aussi? Pourquoi? Ouais, il y en a 200 plus peut-être, mais je sais pas combien il y en a. Il y a 800 ou 900 noix à récupérer aussi. Même les noix, t'as vu, j'en suis pas beaucoup. Je sais plus comment c'était marqué, mais j'ai dû en récupérer 160, 170, un truc comme ça, je crois. Ça marche 900, ouais, pour Robo, c'est ça. Quand tu as fait tout le sanctuaire, tu débloques la tenue verte. J'ai perdu mes sèves, j'ai un peu les nerfs. Ah, mais oui, mais tu m'avais dit, c'est c'était Ghost, non, qui avait... Enfin, c'était save, je crois, non? Tu peux utiliser mon bouclier quand tu veux. Comme il m'a fait peur. Oh, je passais vraiment. Mais oui, voilà, j'ai compris. Je lui ai renvoyé son tir, en fait. Du coup, c'est pas mal, ce petit pouvoir. Il m'a pas fallu énormément de temps pour le recharger, j'ai l'impression, en plus. Ah, quoi? Ah, quoi? Oh my god. Est-ce qu'on... Ah, mais il y a de l'eau. Ok, j'ai compris. Quoi, pour des champignons? Sérieusement? Il y a un œil par là, non? Il y a pas un œil hein, qui traîne? Pas l'arc.
Je vais éviter d'utiliser la 60 tout de suite quand même. Ça me fait un peu chier de, lui, de la bousiller pour rien. Plus facile à renvoyer avec ton bouclier. Ouais, d'accord. Enfin, avec le bouclier. Tu veux dire avec... avec un bouclier à la main ou avec le pouvoir bouclier. Attends, je vois qu'il vient de s'endormir en plus. Putain, en fait, ça me casse les couilles, ça m'a changé les emplacements de mes trucs là. Du coup, attends. Je vais passer sur ça. Ah merde, je l'ai réveillé, putain. Ah ouais, mais du coup, en fait, peu importe ce que tu comptes, en fait, ça utilise directement une recharge de ce bouclier, d'accord. Qu'il vise, tu le renvoies, oui, avec un bouclier, le pouvoir, pas forcément besoin. D'accord. Mais en fait, du coup, on est obligé d'utiliser le pouvoir quand on veut parer un coup. Ça, je les ai de toute façon. Épée royale, j'en ai une, je crois, sur moi. 100, ouais. 36. Là, je vais l'équiper. Ouais, elle est plus rapide. Ah ouais, donc là je me suis complètement craqué. Ah par contre, oh là là, j'ai plus assez. Donc du coup avec le bouclier je dois pouvoir le renvoyer normalement. Qu'est-ce qui est mieux? Est-ce que je prends un gros bouclier ou je prends un petit bouclier pour éviter de le poutrer mon bouclier pour rien quoi. Je crois que le pouvoir prend place, sinon il compte pas. Faut le bon timing. Ouais, d'accord. Ça va être chaud. Parce que ça, c'est un instant kill, ça, non? Du coup. Voir du coup si je me mets une plus grosse protection en plus. Ah ouais, mais d'accord, ça a carrément tiré à côté. Waouh. Ok. D'accord. C'est pas terrible tout ça. Et du coup, mon bouquet, ça l'a défoncé. Je vais prendre celui-là, il y en a un en bas au pire. Ouais, mais c'est trop chaud. Ah putain, il me l'a déjà bousillé le bouclier. Oh.
Ouais, non, mais là... Comme t'as joué, mon gars, comme t'as joué. Ah, Makeblo, vous bougez. Je suis où? Ah, j'y comprends plus rien. Mais non. Mais non. Mais non. Oh super, il tape dans le vent, mais quel connard. Normalement il crève, non, parce que... Oh là là. Il fait trop mal. On va bouffer des pommes, très bien. Donc on a des dents. Ah mais putain, il me laisse même pas le temps de me relever. Donc, bizarrement j'ai l'impression que contre le mur en fait il arrive pas à me toucher. Enfin. Parce que là il touche pas là. Mais non, il m'a... Ah non. Ah non, il a pas du tout respecté. Faut le viser comme si tu l'attaques. Ah, tu es plus malin maintenant, hein? Je t'ai défoncé du premier coup en plus. Ok, mais en tout cas, c'était un bon gros viol que j'ai subi là. Je vais récupérer ça du coup. Là, pour l'instant, l'épée, j'en ai pas besoin. Ah, du coup, ça peut être intéressant d'aller voir le donjon que tu disais, enfin, le sanctuaire. C'est comme ça, ça permettra de TP. Je sais pas, je sens trop le piège là, non? Je peux le tuer si je l'explose, non? Que dalle, donc faut vraiment le toucher par devant, quoi. Wow.
Putain, il commence à pleuvoir en plus. Quand tu veux. Sérieusement, là ? Pourquoi il ouvre pas sa tête, là ? Putain. Oh, mais j'en étais sûr que c'était un putain de piège charras. Ah putain, attends, c'est le pur. Ouais, ça... Ça bloque bien. On lui monte dessus normalement quand il est quand il a l'air comme ça là. Ah putain. Je vais faire deux courses, je repasse, bon jeu. Ok bah mais à plus alors, si tu si je suis encore là, pas de soucis. Ah bah oui, mais ouais, mais c'est chiant en fait. J'ai réussi à esquiver. Crève comme tueur communiste. Ah, oh, il y a une tête qui est restée quand même là. Flèche électrique. Flèche explose. Ah du coup je peux pas récupérer son arme au Linel. Du coup c'est pas mal. Mais je sais pas combien de temps elle dure. C'est chiant.
comme ça, pas loin. Putain, il est où, le curseur? Enfin, pas loin, non, en fait, c'est pas vraiment à côté, mais... Ah mais je suis trop con, sans déconner. Qu'est-ce que tu bouges, plus de flèches. Ça m'en fait 42, j'ai pas encore assez pour prendre un emplacement. C'est quoi cette blague là, putain?
Tu peux utiliser mon bouclier quand tu veux. Ah merde, il n'y a pas de monde dans le bon sens. Je peux aller jusqu'à là, non? Okay. Ah si, ça gagne trop bien. Ah non, j'ai plus de flèches. Ah ouais, d'accord. Non, non, non. Ils sont chauds, ces putains de gardiens, quand même. Il me tire pas dessus non, à travers. J'ai largement le temps de regarder ce qu'il y a autour de moi. Non. Ah putain, il y a l'autre qui se vénère sur moi maintenant. Non! T'as une espèce de gros cœur en fait. Ah bon. Un petit boss. Link, mon pouvoir se tarit. Je ne peux plus le retenir. Pardonne-moi. C'est Gammon ! Ah, d'accord ! Ok. Ne va pas croire que je fais ça pour toi. Tout ce que je veux, c'est rendre à Ganon la monnaie de sa pièce. Link, je t'envoie mes dernières forces. Tu dois vaincre. Je suis prêt, Tina. Il est grand temps de lui faire mordre la poussière à ce canon. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne. Courage, madame. Ce ne
sera plus très long. Ah oui, ça lui enlève quand même un bon paquet de vie, quoi. D'accord. La moitié, ouais. Bon, par contre, je suis sûr qu'il va me défoncer. Ok, je vais juste mettre ça. Ah non, mais je suis con. Pas ça, on s'en fout. Ah non, mais laisse-moi quand même juste me relever quand même avant de m'attaquer. Écoute, je ne sais pas lequel je vais prendre. Je vais prendre celui-là. Il a pris l'épée de légende, parce que très bien. Mais putain, par contre, ce bouclier là. Mais ouais, mais n'importe quoi aussi, ça. Ok, en fait, il a le pouvoir de tous les boss qu'on a affrontés dans les divines unités. Ça me casse les couilles. Ok, donc deuxième phase, j'imagine. Il doit y en avoir 2-3, non? Là, il est vénère. Là, il est grave vénère. Ah ouais, j'avais pas vu. Son crâne, il est plus dur maintenant. Je sais pas trop sur quoi taper là.
récup total. J'ai qu'une potion à la fois, du coup, ouais. Ah, oh, mais on reste encore pas mal des trucs d'attaque, ça va. Ça, à la rigueur, ça me remet même de la vie. Ah mais ouais, mais là ça a abusé, il a pas dû me toucher là. Putain, j'étais plus dessus là. Oh, faut arrêter. Hein. Ah non, mais c'est mort, c'est pas possible. Ah et putain, il me casse les couilles, fils de pute. Mais putain, c'est pas vrai. Allez, vas-y, monte là-haut, si c'était plus. Alors, vas-y, ça casse les couilles.
Ah, je comprends. Ah, ce qu'on va faire. C'est que plus que son pouvoir, en fait, il est quand même un petit moment à recharger. Ah, voilà. Ah ouais, quand même, faut attendre quand même 5 minutes, plus de 5 minutes pour recharger le truc. D'accord. Il est bien sniper avec son effet de merde. Que dalle. Ah mais c'est bon, on est cassé. Putain, ça descend pas assez vite. Là, j'arrive pas à les renvoyer cette putain de truc.
feu quand même. J'ai horreur de cette façon d'esquiver là, c'est horrible dans ce jeu. J'ai réussi à le choper. Non! Il est pas mort! Putain, enculé de ta race!
Ah, c'est pas vrai. J'ai touché. Ok. Bon, il va rester encore une fois, j'imagine. Ah non, mais attends, ça nous TP, donc à mon avis, il y aura une dernière phase à faire. Gamon. 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 Depuis l'aube des temps, notre éternel ennemi, il est la flamme du mal et de la haine. Maintes fois étouffé, toujours ravivé. Son incapacité à retrouver sa forme charnelle ne fait qu'attiser sa fureur destructrice. S'il se libérait, une tragédie sans précédent s'abattrait sur Irune. Bah oui, voilà. C'est obligé qu'il y ait une autre phase. Voici l'arc de lumière, dont l'éclat déchire les ténèbres du mal. Je le remets entre tes mains. J'ignore à quel point tu as pu retrouver tes souvenirs et tes forces de jadis. Mais je crois en toi. Je connais ton courage. Je sais qu'il ne faillira jamais. Ah oui, 100 quand même. Bien. Oui, il m'a pas équipé automatiquement. La noirceur de l'âme de Ganon enveloppe son corps. Cette aura le protège de toute attaque. Je vais contenir son aura maléfique. Mais je ne pourrai pas tenir très longtemps. Il te faudra viser. J'ai un cheval que j'arrive pas du tout à contrôler en plus. Je crois en ta victoire, Link. C'est le moment. Je contiens son aura. Je ne pourrai plus tenir bien longtemps. Le pouvoir de Ganon s'affaiblit. C'est bien, mais ce putain de cheval, ça me casse les couilles aussi, là. C'est horrible à conduire, ce putain de cheval. Espèce de connard de cheval. Allez.
contre, elle est juste pénible cette phase. Sans déconner. Link, regarde sur sa tête. C'est l'essence même de Ganon que tu vois. Tout ne dépend plus que de toi. J'ai réussi à le toucher. Essaie de tirer parti de ses attaques. Ah, casse les couilles. Waouh, enculé de ta mère. Merde, je me suis planté de bouffe. J'arrive pas à utiliser la voile. Maintenant, Link. Putain. Non, c'est fini du coup.
J'étais avec toi depuis le début, à chacun de tes pas. J'ai vu tes efforts, tes succès, tes combats. C'est pourquoi je savais. J'en étais certaine. Je savais que tu affronterais Ganon et que tu en sortirais vainqueur. Link, héros d'Hyrule. Sois mille fois remercié. Est-ce que tu te souviens de moi ? Thank you.
Du coup, ça y est, c'est fini. Bon, je m'en fous, j'ai vu les voice FR, c'est ce qui m'intéressait le plus. Mais, ah si, on peut passer, nickel. Oh bah voilà, du coup, normalement... Ah, on reprend à la dernière sauvegarde que j'ai faite, du coup. Okay. Du coup, en fait, on... Ah merde, mais du coup, je peux pas... Le mettre pas à l'extérieur, mais... Okay. Bon bah voilà, on va s'arrêter sur une belle petite belle vue comme ça. Et du coup, je ne retoucherai plus Zelda Breath of the Wild pendant plusieurs années, je pense. Allez, à plus tout le monde, merci d'avoir suivi, salut!